Ceci est le jour le plus sombre dans ma carrière dans la police, et comme chacun de vous. Ces derniers jours ont appelé à remettre en question mon intégrité. Mon entendement est au-dessus de toutes mes forces. Quatre meurtres très médiatisés impliquant certains des hommes les plus importants dans l'État sous 48 heures. Le maître Huchke et sa femme. Il était un avocat renommé dans l'État et à seulement 3 jours avant sa mort, il a déclaré qu'il avait l'intention de courir pour le Sénat pour lutter contre l'assassinat politique. Avec tous les hommes du commandement de la police de Delta. Et vous serez tous d'avis avec moi que la force de police ne serait pas laissée dans les mains des délinquants. Monica, que recherches-tu? Que recherches-tu? Tu m'as fait sursauter. La lumière va dans ta chambre. Permettez-moi de ne pas être du même avis que vous. L'implication de ma femme ne fera pas ombrage à mon sens du jugement. Je sais. Je sais comment ceci peut être émotionnel pour toi. Hamza, je suis désolé. Ta femme était enceinte de toi. Nous allons devoir faire ceci dans les règles. Monica entre en action à partir de ce moment. Hamza, le dossier des trafiquants de drogue sur le bureau de Monica a été transféré sur ton bureau. Occupe-toi de cela. Oui, monsieur. Allons, on y va. Tu sais bien que je n'aime pas les femmes. Tu n'aimes pas les femmes? Et Rafina, est-ce un homme? Je suis désolé, je blague. Allons-y, je suis fatigué. As-tu vu cet homme? Quel homme? Il me regardait tout le temps. Puisque tu le regardais aussi tout le temps. Oh mon Dieu! Il a quelque chose en lui. Tu ne sais comment le décrire. C'était... Attends, attends. Tu veux retourner pour le lui demander? Non. Oh non, je ne retournerai pas. Si tu ne m'avais pas pressé de sortir, peut-être qu'il serait en train de m'éviter à sortir. Vraiment? Oui. S'il te plaît, allons-y. Charles, t'es déjà de retour? Oui, mon frère. Comment ça s'est passé? La même histoire. Pas de poste vacant. Charles, les moments difficiles semblent perdurer, mais la fin est heureuse pour les endurants.
Il apparaît comme s'il n'y a pas de fin pour mes temps difficiles. Mais si, il y en a. Avec ton travail acharné, je peux te le garantir. Quand? Très bientôt. Quand? Très bientôt. Si tôt que tu ne peux l'imaginer. Frère. Tu sais, il a dit que le diable tente les gens. Mais un homme oisif tente le diable. Arrête. N'essaie même pas d'y penser. Loger. Nourrir gratuitement. Arrête, Charles. Combien de temps vas-tu encore m'apprécier pour ces choses? Toute ma vie, mon frère. Tu n'as même pas besoin de me remercier, Charles. Nous sommes amis. Et les amis s'entraident. Si j'étais dans la même situation, je suis sûr que tu ferais la même chose pour moi. Je sais que tu as un grand cœur. Oublions mes histoires. Comment était ta journée au travail? Tu vois, comme tu as l'habitude de le dire, la même histoire. Nous sommes toujours à bout ces derniers temps à cause de ce dangereux criminel du nom de Boulette. Tu sais que les banques sont les cibles principales? J'aurais appris que le gouvernement a promis une rançon pour sa tête. Je l'ai appris aussi. Quel est le montant? 10 millions. Wow! Tu veux dire que celui qui attrape ce Hulette aura 10 millions de nerfs? Oui. Attends. Ne penses-tu pas que ce montant est très insignifiant pour un criminel le plus recherché comme Boulette? Oui, Charles. Tu as raison. Surtout que c'est la chasse à l'aveugle. C'est-à-dire sans identité. Cela le rend encore plus difficile. Bon. Ne t'inquiète pas pour ce sujet. Va plutôt dans la cuisine, essaie-toi. Je sais que tu as faim. Je salive déjà. Je m'en vais prendre ma part. Je peux le voir si ton visage va te servir. Oh, bien sûr. Bien. Frère. Oui. Tu ne travailles pas aujourd'hui? J'irai vers midi. J'ai demandé une permission. Ma cousine vient d'arriver. Elle a été transférée de Lagos à Wari. Elle vient rendre visite à son ami. Ah, vraiment? Oui. Voilà pourquoi j'ai pris du temps pour la rencontrer. J'ai l'impression que c'est plutôt ton ami que tu veux rencontrer. Tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, ce sera une belle occasion pour moi de rencontrer ta cousine. Bien sûr, tu vas la rencontrer. Je ne pense pas. Je dois aller voir un ami et de là, nous irons à une veillée de prière toute la nuit. Bien, une autre fois alors. Mais le plus important, souviens-toi de moi dans tes prières. Tu sais que je l'ai toujours fait. J'ai déposé de l'argent pour ton transport. Mon grand frère. Oui, merci. Dieu va te bénir. Comment tu vas? Merci. Oh, ta maison est belle. J'aime. Merci. Elle doit être l'amie dont tu parlais. Oui, Sonia. Voici mon cousin Ben. C'est un plaisir de te connaître. Tout le plaisir est pour moi. Waouh. Viens t'asseoir ici. Mettez-vous à l'aise. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis très excité, honnêtement. J'ai plein de choses dans la maison, nourriture dans la cuisine, poisson dans le frigo. Donc, dites-moi ce que vous voulez. Ne te dérange pas. On s'en chargera après. D'accord, d'accord. Regarde-toi. Je suis très heureuse de te revoir. Merci, merci. J'espère que vous allez rester... passer la nuit ici. Non, 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 Ben. Je vais voir Baudet ce soir. Aujourd'hui, si tu dois aller voir Baudet, alors tu iras toute seule. D'accord. J'ai un ami qui organise une grande fête d'anniversaire et il nous a promis de l'ambiance. Et je suis sûr que Sonia aimerait y aller. Désolé, nous y allons ensemble. Laisse-la parler. Tu es dans sa pensée. Elle te dira la même chose. Tu tues ma joie. Tu tues ma joie. Pas de soucis. Bon, demain, je
trouverai le temps de venir vous voir. Bien, grand frère. Ne te dérange pas, d'accord? Voyons ce que nous... Je suis très impatiente de me retrouver dans les bras de Bodo. Je l'aime et il me manque trop. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Oh mon Dieu, chaque fois qu'il est hors de ma vue, il commence à me manquer. Oh Dieu. Aha. Aide-moi. Pas. À propos, j'étais retournée dans cette bibliothèque pour s'en retrouver ce gars. Oh. T'es sérieuse? Oui, je le suis. C'était comment? Je ne l'ai pas vu. Sonia, que lui diras-tu si tu le voyais? Je ne sais pas. Mais je suis sûre que je l'attire. Qu'il ressent la même chose pour moi. Et nous nous verrons. Et tout le décor sera planté, ma chérie. Ah, ah. Ma copine est amoureuse. Terriblement amoureuse. Oh Dieu, je peux sentir l'amour dans les airs. Bien un jour, mais... Écoute, je continuerai d'y retourner. Et je suis sûre qu'un jour, je le retrouverai. Apprête-toi maintenant, ma chérie. Nous allons voir Bodhi. D'accord. Je n'ai plus de temps à perdre. D'accord. Non, je suis très heureuse. Oh, bébé. Non, je suis très heureuse. Sonia, voici mon ami, mon chéri Bodhi. Salut. Enchanté. J'arrive. Je viens avec toi. Comme tu voudras. Waouh. S'il vous plaît, messieurs, dites-leur de ne pas leur faire du mal. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Personne ne reste en vie après avoir vu le visage de Boulet. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas.
Allô, Monica. Oui, je vais bien. Je devine que tu es au courant que le dossier de Boulette m'a été retiré. Je voulais te faire savoir que je veux garder un œil sur ce dossier. Oui, merci. D'accord. Monsieur, le chef Ogaga est là pour vous rencontrer. Sors, dis-lui d'attendre. Bonjour, monsieur. Tu es incroyable. Comment peux-tu le laisser s'échapper comme cela? Tu penses à quoi? Jésus-Christ. Il est temps de mélanger quelques dames ici. Nous faisons de notre mieux, monsieur. Vous faites de votre mieux? Je peux voir comment votre mieux est si merveilleux et beau. Insensé. J'ai appris d'une soussure qui traîne toujours à Ricozy Hotel. Bien sûr, monsieur. Il peut tranquillement traîner là-bas. Personne ne connaît son identité. C'est vrai? Étant une femme, je crois qu'il est temps de jouer ma carte féminine. Bien. Rapproche-toi du mieux que tu peux de lui et ramène sa tête de mule ici, d'accord? Je ferai tout le nécessaire. Sortez de mon bureau. Allô? Allô, Charles? Où es-tu? Mon frère, je suis avec ma soeur et son ami. On t'a pas écouté, il faut mieux que je ne rentrerai pas aujourd'hui. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose, mais je t'expliquerai à mon retour. Donc je te verrai à mon retour de la veille de prière. En quittant la maison, s'il te plaît, ferme tout, d'accord? D'accord. Prends soin de toi. Très bien, à bientôt mon gars. Oui. Eh, mon frère. J'étais très inquiet. Quel est le problème? Charles, on parlera de cela après. Mais je te présente ma cousine Pat. Pat, c'est Charles. Il vit chez moi. Salut, Pat. Dieu, donc l'ami de Ben est Boulet. Vous vous connaissez? Vous vous êtes déjà rencontrés? Non, oui, je suis désolée. Son visage me semble familier. Bien, Sonia, voici Charles. Il vit avec moi. Charles, voici Sonia, l'ami de Pat. Salut Sonia. Salut. C'est un plaisir. Merci. Tu iras mieux, d'accord? Mais j'ai informé la police. Tu vas bien? Oui. Tu vas bien? Je vais bien. Exécutif d'une banque arrêtée. Le président du parti PDP s'est fait refuser un visa. Le criminel Boulette toujours en cavale. Le gouvernement a augmenté la rançon. Quiconque conduira la police à lui aura une récompense de 12 millions de naira. La police supplie chaque honnête citoyen de donner des informations qui peuvent conduire à l'arrestation de Boulette. Les détails de ces grandes lignes vous seront donnés tout de suite. Comment a-t-il pu s'échapper encore? T'inquiète, il verra bientôt sa fin. La première fois de ma vie, je tombe amoureuse, mais de la mauvaise personne. Celui qui tue pour le plaisir. Sonia,
qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bien, je vais bien. T'es sûre? Si, je vais bien. Tu es bizarre depuis la semaine dernière. Écoute Sonia, si tu as un souci, parle-en avec moi. Je suis ton amie. D'accord. J'ai une migraine. Sinon, je vais bien. As-tu pris tes comprimés? Ce n'est pas aussi fort que d'habitude. Je souhaite que tu vois un docteur. Oui, j'en ai besoin. J'irai demain à la première heure. Tout le monde à terre! Je dis à terre! Mettez-vous à genoux, à terre imbécile! À genoux, à terre imbécile! Voici Boulette! Celui qui veut vivre éternellement! Fasse ton tête, tout le monde! Personne ne me regarde! Personne! J'ai dit personne ne soulève la tête, je vous emmerde! Bande d'enculé, c'est Boulette! Celui qui veut vivre éternellement! Fasse ton tête, tout le monde! Bande d'enculé! Bande d'enculé, c'est Boulette! Hey, 10 millions! Pourquoi il se donne le nom de Boulette? Bon, les gars. Quel est le pourcentage à partager? Le pourcentage reste le même. Le même? Cela nous convient. Oh mon monde! Vous ne pouvez pas arrêter une minute de regarder les femmes? Oh, laisse-moi. Concluons notre affaire. Cette fille est une bonne affaire. Je vais... Assieds-toi. Oh, toi aussi, boss. Tu veux faire de cette diva ton affaire? Lui, je ferai d'elle mon affaire. Pourquoi vous n'êtes pas sur une affaire? Serveuse! Cette fille est plus qu'une go! Ah, je suis très content. Ah. Ah, Tiger is swag. Peux-je vous tenir compagnie? Oui, bien sûr. Merci. Je suis Peter. Monica. Dis-moi, tu fais quoi dans les parages? Rien. Je suis juste venue rendre visite à une amie. Tu es belle. Merci.
je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour Sonia et moi. De rien. Comme vous insistez à partir. T'inquiète, Ben, je prendrai soin d'elle. Tu le feras. Bien sûr que je le ferai. C'est gentil. Donc, acceptes-tu de sortir avec moi maintenant? Quoi? Je ne pense pas. Quoi? Ben, s'il te plaît, laisse mon amie en paix. Voilà, elle recommence encore. Tu ma joie, j'ai compris. C'est bon. Tu sais qu'elle aime Charles? Oui. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi pas? Je ne suis pas aveugle. Je vois les regards que vous jetez. Je vois... Ben, qu'est-ce que tu as? Je sais que vous allez la défendre. Ne vous inquiétez pas. Je vous ramène chez vous, d'accord? Tu es le chef. Tu sais de quoi je parle? Tu es le chef. Tu sais de quoi je parle? Tu sais pourquoi je t'envie trop? Non! Devinez quoi, les gars? Quoi? Quoi? Elle vient aujourd'hui. Excuse-moi. Qui vient aujourd'hui? Bien sûr, vous savez tous de quoi je parle. Non, non. Non, non. Ne me dis pas que c'est Monica. Tu n'es pas sérieux. Comment tu as fait ça? Car je suis le patron des dames. Le patron des filles? Le patron des filles. Le patron des filles? Tu peux le répéter? Le patron des filles ne joue pas avec mes choses. Il est chanceux tout le temps. Toujours chanceux. Chanceux ou pas? La voilà qui arrive. On se voit après, les gars. Salut. Tu as toute la journée pour toi. Amuse-toi bien, mon gars. Prends bien soin d'elle. En toute nourriture et le reste. Yeah, nous voilà. Bienvenue. Depuis quand tu gardes cette chambre? Bientôt un an. Toute une année? Comment arrives-tu à payer? T'inquiète, je m'en charge. Juste que je me préoccupe pour toi. Préoccupé? Tu me le démontres bien. À propos de quoi? À propos des bonnes qualités sur la personne avec qui je vais passer le reste de ma vie. Tu es sous? Non, pourquoi? Ralentis, Peter. On se connaît à peine et tu parles déjà de mariage? Tu m'effraies, hein? Désolé, bébé. Peut-être que tu m'as saoulé. Tu cherches quoi? Où est Tiger? Où est Tiger? Comment je vais savoir où se trouve Tiger? Et pourquoi le recherches-tu? Je donnerai une leçon à ce bâtard. Pourquoi? Cet avorton vient de cambrioler dans le restaurant où j'étais. Il a même eu le culot de s'appeler Boulette sous mes yeux. Calme-toi, il est ici. Calme-toi. Comment as-tu pu? Qu'est-ce que tu feras à propos de ça? Me crever la cervelle? Vas-y, fais-le! Ferme ta gueule! Je t'emmerde! Arrêtez cela immédiatement! Rafina, dégage! Hors de ma vue, salope! Je t'emmerde! Entretiens-vous! Qu'est-ce qui ne va pas avec tout ce monde ici? Ne recommence plus! Je ne vais pas te promettre cela, Boulette! Je recommencerai ma bêtise encore et encore. Encore et encore. Mais pourquoi ne fais-tu pas ce qui est nécessaire? Pourquoi ne me retires pas de cette merde? Pourquoi ne me fais-tu pas ce qui est nécessaire? Pourquoi tu ne me retires pas de cette merde? Dieu me bénisse. Retire-moi de cette vie de merde. Retire-moi. Tu vas bien? Je t'emmerde!
qui est cette voiture? Où m'emmènes-tu? La voiture m'appartient et je t'amène chez moi. T'inquiète, t'inquiète. Je vais tout expliquer. Entre dans la voiture. Frérot! Bienvenue. Taisez-vous, courroucez les gars. Dieu vous a chopé. Dieu vous a chopé. Je suis là. Tout a commencé après nos études universitaires. Tu te souviens de cette chanson que nous chantions quand nous étions à l'école? Viens, joue ce truc. Nous devons le faire. Je ne m'en irai plus. Tu te rappelles la clé? Les gars, ou bien... Just sitting like a stone, laying way too old. The wind before, the senses all around me. With the broken eyes above, with a never ending love. Tell me. Where I saw all I watched, where the mind is not leading, I feel it's quieter. In the land of unbelieving, in the city of all so much, I am once again. No part of me until hey! La maison est belle. Oui, s'il te plaît, assieds-toi. Permets-moi de te narrer le reste de l'histoire. Ce théâtre de Brown a continué. One love, one love.
regarde-moi sa tête. Coco, où est le propriétaire de cette maison? Bon après-midi, madame. Où est votre ami là? Ron n'est pas à la maison. Écoutez, c'est un avertissement. Depuis l'arrivée de ce car dans cette cour, il ne fait que me déranger. Les affaires disparaissent en désordre. Même quand j'envoie mon fils, il attend sur la route et prend l'argent des mains du petit. Quoi? Jesus! C'est quoi ça encore? S'il vous plaît, madame, ne vous énervez pas. À son retour, on va lui demander des explications. Hein? Arrêtez ça! Arrêtez ça, ce n'est pas une appel de pardon. Je veux mon argent. Vous allez donner mon argent. Sinon, une tapette va arriver dans cette cour. Ce n'est pas arrivé à ce point. Mike, c'est bon. S'il vous plaît, madame, rentrez chez vous. À son retour, on vous remboursera. Ah! Transmettez-lui mes avertissements. Je ne suis pas d'accord. Hein? Merci, madame. Et c'est sérieux. Et le propriétaire nous a donné deux options. Le renvoyer ou nous renvoyer de la maison. Et à ce propos, nous n'avons pas le choix. Brown, que se passe-t-il? C'est gâté les gars, je suis mort. Ils pensent où tu as vidé leur poche? Il y a certaines personnes qui pensent que je leur ai piqué leur poche. Alors, pourquoi ils te suivent? Écoute Brown, nous devons parler. Je ne l'ai pas fait. Arrêtez ce discours. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je suis le mauvais et que vous êtes des religieux. Je m'excuse. Mon gars, garde ton discours. Je suis fatigué. Je vais à l'intérieur me reposer. Brown, nous lui avons poliment demandé de partir. Comment il a pris? Il ne l'a pas pris à la légère. Santé. Il était très furieux. Est-il finalement parti? Oui, il était parti. Il vivait dans la rue, cambriolait pour survivre. Un jour, Lala a eu une opération. Il fut capturé de la contrariété. Il nous a impliqués avec une photo que nous avions prise avec lui. Ce gars est pire que le diable humain. Chris, pourquoi peux-tu faire cela? Nous avons été jugés et condamnés à mort. Mort? Nous étions retenus en prison en attendant notre exécution. Mon Dieu! Que s'est-il passé? Le jour de l'indépendance, le gouvernement a gracié 10 détenus. Brown et moi étions libérés. Michael n'était pas aussi chanceux. J'ai un bon verre d'eau pour toi. Un peu de vin fera bien l'affaire. Je suis désolée. Je suis désolée. Nous avons tout essayé. Mais en vain. Où était Brown? Ne pouvait-il pas venir témoigner? La dernière fois que je l'ai aperçu, ce bâtard, c'était quand les portes de la prison étaient ouvertes. C'était un jour inoubliable. Le jour où j'ai perdu mon unique frère.
des loges. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Et je me suis fait la promesse de rendre au gouvernement la monnaie de sa pièce. Je comprends. Mais tu ne peux pas vivre dans le passé. Se maintenir dans le passé est synonyme d'esclavage. Tu dois recoller les morceaux et passer à autre chose. J'espère y arriver. Tu peux le faire. Je le sais. Bon. Allons dans la chambre. J'ai une chanson pour toi. Vraiment? Qu'en est-il du dossier des trafiquants? Je suis dessus, mais c'est le dernier de mes soucis pour le moment. Hamza, peux-tu me laisser gérer le cas de Bullet pour le moment? Tu sais que j'ai un mauvais pressentiment ici. Je pense que tu as besoin de te reposer. Bien. Hamza, le chef te demande dans son bureau. Je vois, merci. Je t'aime, Sonia. Mais je ne veux pas t'impliquer dans ce genre de vie. C'est bon. Je t'aime, chat. Et rien ne compte plus, d'accord? Allô? Je suis Yumi's Bite. Où es-tu? Nous devons nous retrouver ici aujourd'hui. Mettons-le sur demain. Où es-tu? Je vais t'attendre. Je suis désolé. Je suis très occupé. On se parle demain. Allô? 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 Que se passe-t-il? Nous avons une opération dans 2 semaines. Tu iras. Mes gars n'iront pas sans moi. S'il te plaît, n'y va pas. Je t'en supplie. Je suis désolé. D'accord. Mais tu me promets que ce sera la dernière fois. Je promets. Pourras-tu me promettre aussi qu'il n'aura pas de carnage? Oui, chef. Je ne vais pas verser aucune goutte de sang. Merci beaucoup, chef. Merci. J'oubliais. Tu m'as promis une chanson. Oui, viens là. Mmh.
Écoute-moi maintenant. Je sais comment tu es. Bonjour, chef. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, chef. Quelles sont les nouvelles, Monica? Il a gardé la chambre depuis un an. Une bonne année. Oui, monsieur. Waouh. Philippe. Chef. Que penses-tu de ce type? Du rapport de Monica, c'est un autre homme. Un tel homme plein aux as, vivant depuis un an dans un tel hôtel, et qui ne soit pas capable de dire ce qu'il fait dans la vie, c'est suspicieux. Bon boulot, Monica. Merci, monsieur. Continue comme ça. Merci, monsieur. Cela se voit quand on se rapproche si vite de lui. Merci, monsieur. Je peux partir maintenant? Bien. Tu rentres tôt aujourd'hui? Oui, mon chef m'a donné cette journée. Encore un jour? Enfin, comment avance ton enquête sur Boulette? J'avance. Mais ce type est très doux, amusant et très gentil pour être Bulette. Ils sont tous comme cela, tu sais. Les diables n'ont pas de cornes. Et dis-moi, il est beau. Il est beau. Il est trop beau pour être criminel. J'espère m'être trompée à son sujet. Et si tu as raison? Je continue de croire que je me suis trompée. Je te suspecte. Oh. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu l'aimes comme tu le dis, malgré ce qu'il est,
Je te conseille de rester avec lui et le changer. N'essaie même pas, Julia. Ce type a tué beaucoup de personnes et il doit payer. C'est-à-dire, je dois faire mon boulot. Si ma mémoire est bonne, il t'a demandé de te présenter à ses parents. Cela veut dire qu'il veut t'épouser. Une fois marié, il se détournera de ses mauvaises voies. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que tu as besoin de repos. Nous parlons de Belette. Ce même type, tu m'as encouragé à capturer peu importe ce que cela me coûtera et te voilà aujourd'hui avec un autre refrain. Ça, c'était avant que tu ne le rencontres et ne tombes amoureux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qui t'a dit que je suis amoureuse de lui? Oh Dieu! On se connaît. Quel est ton problème? Tu ne réponds toujours pas à mes baisers? Tu rends les choses plus difficiles. La nuit dernière, nous avons prévu dîner ensemble. T'en souviens-tu? J'étais avec un ami. Salope! Rafina, tu ne peux pas t'en empêcher. Pouvez-vous discuter cela plus tard? Ça se passe où, Rafina? Un bureau d'échange. J'ai eu des informations. Des transferts de fonds. D'une somme capitale. J'ai l'heure et la date. De quel montant on parle? 2 millions. En dollars. Sonia, tu sors? Oui. Sonia, je veux juste savoir le nom de l'heureux élu. Pas le garde de la bibliothèque. Je n'ai pas compris. Arrête, ma chérie. Tu ne peux pas le nier. Je suis ton amie. Tu parles de quoi? Oui, je ne peux pas le nier. Je vois quelqu'un. Voilà, et qui est-ce? Charles, je le savais. J'ai vu la manière dont vous vous regardiez et sûrement cela aboutira à quelque chose. Tu as raison, Pat. Pat, il me plaît. Bien, cela te regarde. Devine qui sera fou par cette nouvelle. Oui, je sais. Je ne peux pas prendre tout ton temps. Comment tu me trouves? Très jolie. On se voit après. Prends soin de toi. Au revoir. Charles? Oui, mon frère. Que se passe entre Sonia et toi? Au fait, je la connaissais depuis longtemps. On s'est juste retrouvés ici. Pourquoi vous ne m'avez rien dit depuis là? Et je me suis ridiculisé pendant tout ce temps. J'attendais sa permission pour te le dire. C'est bon. Je dois te dire la vérité. C'est une merveilleuse femme que tu viens d'avoir. Mais, tu dois la maintenir hors de mes radars. Tu sais de quoi je parle? Oui, chef. Bien. Je te promets, je le ferai. Ok. Si tu veux aller la voir, tu peux prendre de l'argent dans l'armoire. Cela pourrait t'aider à une sortie sympa. Je ne peux pas te remercier. J'en ai pas besoin. Je ne vais pas te remercier. Tu es un ange. Je m'excuse, je suis un ami. Quel est le problème? Bébé, bienvenue. Assieds-toi. Quelle est l'urgence? Monica, je voulais t'informer d'avoir
parler de toi à mes parents. Et ils sont très heureux pour moi. Monica. Veux-tu m'épouser? Sonia. Oui. Charles est là. Salut Charles. Salut beauté, comment vas-tu? Bien, et toi? Bien. J'étais ça quoi? Oh, juste de l'eau. Non, tu ne peux pas boire de l'eau. Il y a du jus, du vin non alcoolisé, donc fais ton choix. Je vais vous faire sortir les filles. Pourquoi pas le restaurant chinois? Vraiment? As-tu trouvé du travail? Vous aimez la cuisine chinoise? Comment le sais-tu? J'aime la cuisine chinoise. Alors là, ça marche. T'es sûr? Bien sûr. Ok. Je vais me changer. Nous allons nous changer. Allez. Bien. Bien. Que se passe-t-il, Monica? C'est Peter. Il a quoi, Peter? Waouh, c'est une bonne nouvelle. Nous devons fêter ça. Je dois lui retourner ça. C'est un criminel dont on parle. Je sais. Je sais, mais la bague est belle. Est-ce que tu m'entends? Vous pouvez avoir un compromis. N'y pense même pas. Je suis un officier de police et mon devoir est d'arrêter les criminels. Tu sais, mais tu aimes ce criminel. Et il savait qu'il n'est pas Boulette que tu recherches. T'es-tu posé cette question une fois? Julia, ne commence pas à avoir des idées stupides. Tu sais qu'il s'agit de lui. Tu l'as dit quand tu as appris mon histoire. J'attends juste de lui mettre la main dessus. Et s'il changeait? Un léopard ne change jamais sa façon de faire. Un criminel est un criminel. Je ferai mon boulot et mettre mes émotions de côté. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Ce n'est pas la meilleure façon.
Vous m'avez demandé, chef. Oui, je voulais avoir ton dernier rapport. Il atteint un montant colossal le 31 de ce mois, monsieur. T'a-t-il dit la provenance de ce montant? Non, monsieur. J'ai essayé d'en avoir plus, mais il n'a rien dit. Bien. Ne pose pas beaucoup de questions. Sinon, il sera suspicieux. Juste te mettre en retrait. Écoutez et observez. D'accord. Quoi d'autre as-tu vu? Rien d'autre, monsieur. Sauf que sa chambre d'hôtel permanente, ses luxueuses voitures, ses amis et son mode de vie. Fais de ton mieux. Nous comptons sur toi. Merci, monsieur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je peux partir maintenant? Je voudrais bien que Michael soit en vie. S'il était vivant, tu ne serais jamais Bullet. Je jure devant Dieu que je retrouverai cette ordure de Brown. Si tu mets la main dessus, fais pleuvoir les balles, les balles, les balles. Tu as dû donner son âme.